Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique, expulsion manu militario de l'ambassadeur de France au Niger. Les militaires français répliqueront à toute violation de leur emprise diplomatique selon Paris. Les militaires français vont répliquer à toute atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises à Niamey. A mis en garde le chef d'état-major de l'armée française. Les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger, a déclaré le colonel Pierre Goudière, porte-parole de l'état-major français. La présence à Niamey de Sylvain, ambassadeur de France au Niger, fait remonter les tensions entre Paris et les nouvelles autorités guinéennes. Le CNPS avait donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays, mais après l'expiration de ce délai, le diplomate est toujours en poste. Jeudi, dans un communiqué, le gouvernement nigérien de transition a ordonné aux forces de police d'expulser l'ambassadeur Sylvain, qui ne bénéficie plus des privilèges dus à son rang. Face à la menace d'une expulsion manu militario de son ambassadeur, la France hausse le ton. Le chef d'état-major des armées françaises précise que les soldats français présents au Niger sont prêts à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises. Ces dernières semaines, la diplomatie française continue d'affirmer que les putschistes nigériens ne sont pas habilités à expulser leur ambassadeur. Le ton est désormais monté entre les deux parties. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, famille, reconnaissance, si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très très bien.